De la houle en baisse, du vent offshore et de la brume ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous, c'est bon samedi 13. On commence la journée donc avec de la brume, mais la visibilité est suffisante pour aller surfer. Du bord, on voit les vagues, de la plage, on voit les vagues au bord. Dans l'eau au bord, je pense qu'on peut voir les vagues arriver. Vous voyez, on voit le sud un peu là. Température extérieure à 0 degré, ça n'a pas gelé en bord de plage, mais dans les terres, oui. Température de l'eau à 12-13. Cet après-midi, on voit une température à 5-7. La marée est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à midi 20, coefficient de grande marée 95. Sur ce début du descendant, c'est fou. Le vent est offshore avec un secteur est-sud-est. Il est faible à modéré. Il y a un beau fort établi, des rafales à 2. Le plan d'eau est ridé à lisse. Les phases de vagues sont lisses. La houle est propre, c'est une nouvelle houle qui a touché son pic dans la nuit, mais qui est sur un mouvement à la baisse. Une houle longue de 14 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest, qui tourne sur la bouée du Cap Ferré en moyenne à 60 cm. Et j'ai vu que c'était calme. Il y a 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm à 1 mètre sur les scieries qui rentrent fréquemment. Et de temps à autre, il doit y avoir un petit mètre 20 qui rentre de ci, de là. Des vagues qui doivent être propres, jolies, mignonnes. J'ai vu personne à l'eau. La barre est facile à franchir. Les vagues sont à réserver pour des surfeurs intermédiaires. Des vagues qui doivent arriver à la hauteur de la poitrine, des épaules. À voir si la brume s'intensifie dans la matinée ou pas. Là, pour le moment, ça n'en a pas l'air. L'évolution pour le reste de la journée en train de houle en lente atténuation. Du vent offshore qui se renforce. Les prévisions à 9h, 1 mai à 20h. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 14 secondes de période. Vent est-sud-est, 1-2. À 13h, légère baisse, 1 mètre, un petit mètre 20. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 14 secondes de période. Vent est-sud-est, 2-3. Et à 17h, 1 mètre, peut-être encore un tout petit peu plus. Ou ouest à ouest, sud-ouest, 13 secondes de période, vent d'est de 3, il y a des vagues propres toute la journée. À voir l'inconvénient de la brume ce matin. Et je pense que même à marée basse, avec ces gros coefs, avec moins de taille là, devrait y avoir des vagues surfables sur les bancs du large encore. Donc il y a des conditions praticables toute la journée, quelle que soit la marée, sauf erreur de ma part. Prochain point, tout à l'heure.